Hello les amis, j'espère que vous allez bien, bien, bien. Devinez où je suis. Je suis dans une usine. Dans une usine. Dans une usine. Regardez un peu la vidéo aussi. Regardez la vidéo aussi là. Regardez les images ici. Là, ça vous dit quelque chose. Je suis dans l'usine même. Je suis à l'usine même. J'ai déjà eu plusieurs commandes de ces marmites, des marmites chauffantes, les nouvelles sorties, quoi, New Generation. Et on a toujours causé seulement en ligne. Et puis le boss m'a demandé pourquoi ne pas venir à l'usine nous rencontrer directement. Parce que depuis là, on traitait seulement en ligne. Donc je suis venue aujourd'hui à l'usine et je me suis dit, bon, pourquoi ne pas vous envoyer une vidéo, quoi. Et désolé, hein, il y a les endroits qui seront sombres parce que je me balade un peu partout comme ça. C'est pas grave. Donc voilà, je vais vous présenter les marmites chauffantes. Là, et je suis là surtout parce qu'il y a aussi une autre commande. La dernière fois, j'ai fait une commande de 150 marmites chauffantes. Cette fois-ci, après, il y a une autre commande. Il y a une autre commande. Il y a eu. Bon, c'est pourquoi il m'a demandé de venir. Il m'a dit pourquoi. C'est vrai, on collabore déjà en ligne maintenant si on peut se voir physiquement. Et là, j'ai une autre commande de 19 marmites. Notre commande de 19 marmites. Bon, ce qui est bien avec, c'est que vous pouvez mixer. Vous pouvez prendre. C'est pas comme avec certaines usines là, on vous dit il faut absolument prendre 100 dans mes modèles, ou bien 50 dans mes modèles, ou 30 dans mes modèles. Non, c'est pas comme ça ici. Ici, vous pouvez prendre. Vous pouvez mixer. Comme la dame qui a commandé, qui a fait, la dame qui a commandé cette fois-ci, elle a commandé 19 marmites. Elle a pris 5 de chaque et il y a un modèle qu'elle a pris 4. Vous voyez? Donc, c'est possible. Je vais vous montrer les marmites et puis je vais vous montrer. À l'extérieur, là, vous allez voir les cartons, ils emballent tellement de cartons, ils expédient tous les jours. Donc, je vais vous présenter les marmites et puis vous allez voir, ok? Et là, vous allez reconnaître les marmites de la vidéo de l'entreprise même quoi. Et là, c'est alors le vrai, comme les gens me demandent souvent, est-ce que tu as touché? Je touche, les amis, vous voyez, non, je touche. Et c'est très bien, la qualité est bonne, c'est bon. Ça, par exemple, voilà, un plateau et là en bas, un autre, bon, ça c'est, ok. C'est bien large, hein. Ce sont les grandes marmites. C'est bien l'âge, c'est la nouvelle génération. Là, on est avec le couvercle et ça, comme vous voyez, là en vert. Et puis en bas, là, on a un design en bois, c'est très joli. On a un design en bois. Je tiens à rappeler ici que la marmite, il y a on peut utiliser comment on appelle ça? L'électricité. Comme on peut utiliser aussi sans électricité, c'est-à-dire allumer avec une bougie et tout. Vous comprenez un peu. Donc, ça, par exemple, là, c'est le matériel pour. Quand vous voulez utiliser, vous voulez brancher, quoi. Mais elles ne sont pas uniquement électroniques pour utiliser. Bon, ça, c'est aussi un autre modèle, New Generation également. Ça, c'est. Le bas, ici, c'est le wooden. Donc, un peu comme le bois, le design en bois comme ça. Et puis là, on a la vitre au-dessus. Très joli, simplement, les amis. En tout cas, vous le connaissez sur la vidéo. Donc, ça va toujours le même design. Sauf que il est. Comment on appelle ça? C'est rectangulaire. Ça, c'est carré. Et là, elle est ronde. Vous voyez, les dimensions sont aussi différentes. Sauf que ici, on a deux vases comme ça. Deux plateaux. Donc, on peut mettre un plat ici et puis on met un autre là. Mais les autres, c'est un seul. Donc, voilà pour ce modèle. Si je sais que vous voyez bien, les amis. Je sais que vous voyez. Maintenant, on a ça. La dame qui avait pris 150 marmites, elle a pris plus ce modèle-ci. Elle a pris ce modèle parce que ça, c'est deux. Il y a ça complètement comme ça. Et puis, il y a un autre qui a la vie qui s'est montré ça tout à l'heure. Elle a plus pris ça. Elle a pris environ une, peut-être une centaine de ce modèle-ci uniquement. Et maintenant, elle a mis ça avec d'autres modèles. Voilà le modèle. Donc, c'est le même modèle, sauf qu'ici, il y a la vie. Tout. Vous voyez, je fais un peu le tour pour que vous compreniez un peu de quoi est-ce que je parle. Et ce qui est bien avec ce modèle, c'est là, il y a deux couleurs. Il y a la couleur grise aussi, argentée, et l'autre couleur or. Donc, voilà. Je vais ouvrir. Voilà, les amis. Voilà. Donc, comme j'expliquais, elle peut être électrique. Vous pouvez utiliser le brancher au courant. Ou alors, utiliser de façon manuelle là, pour réchauffer. Manuelle pour réchauffer la bouffe et tout ça. Vous voyez, ça, c'est cool. C'est cool. Les marmites, elles sont très larges. Très, très, très larges. Donc, voilà. Voici notre modèle ici. La dame tout à l'heure, la dame qui a commandé, là, on va emballer ça tout à l'heure. Elle a choisi ce modèle également. C'est bien grand. Vous voyez. Et je pense que vous avez vu le modèle là, dans la vidéo que j'ai montrée au début là. Donc, voilà. Voilà. Voilà le même modèle, sauf que celui-ci a une vitre ici. Et là, il n'y en a pas. Vous voyez. Mais c'est le même design. Juste qu'il y a des gens qui préfèrent qu'il y ait la vitre et il y a des gens qui ne préfèrent pas. D'accord. Je fais d'abord le tour ici. Après, je vais montrer d'autres modèles là-bas derrière. Ceci également. C'est bien lourd. Hein? C'est bien lourd. Ceci, donc, on peut utiliser avec le courant ou sans. C'est celui-ci également, ce modèle-ci, cette marmite-ci. Waouh. Elle est tellement large. Vous voyez. Tellement large. Voilà. On a également ceci. La qualité, ça va. Vous suivez le bruit? Ça va. Avec un large plateau comme ça. J'espère que vous voyez assez parce que je suis un peu à l'étroit là. J'espère que vous voyez assez bien. Voilà. Maintenant, on a ce modèle en couleur or. Le modèle que vous avez montré derrière. La dame, elle a pris ça. Je pense qu'elle en a pris 5. 5 comme ça. Là aussi, ça. Maintenant, comme vous savez, en Chine, les quantités dépendent des. Les prix dépendent des quantités. Hein. Les prix dépendent des quantités en Chine. Si vous, plus vous prenez beaucoup, plus le prix est abordable, vous comprenez. Bon, ça, c'est rentré comme ça. Je n'ai pas trop envie de soulever. Bon, ça, c'est avec deux plateaux. Oui, c'est deux plateaux. Pas comme les autres là, ça a également deux plateaux. Là, oh, c'est aussi un peu bloqué. Ok, parce que le même design ici, sauf que celui-ci à la vitre.
On va faire un petit tour dehors là-bas, mais c'est flou, hein. Je vous avertis d'abord, c'est très très flou dehors là-bas. Juste pour vous montrer un peu comment ils emballent, ils reçoivent des commandes tous les jours. Toutes les heures, même il y a des commandes, tellement de commandes. En tout cas, c'est une usine, ils fabriquent, et puis quand c'est bien, on en commande beaucoup. Donc on va dehors. On est bien, il n'y a pas. Il n'y a pas, il est bien. On va dehors, sauf que ça sera un peu flou, comme je vous ai averti. Ah, apparemment, c'est pas flou, ou bien parce que je suis encore à l'intérieur. Ok, vous voyez. Des commandes. Niyezo, d'ailleurs. Je demandais s'ils font dans les verres parce que j'ai vu ceci. Donc voilà. Des commandes, vous voyez, des milliers de commandes. Donc voilà les amis, je ne pouvais pas passer ici là sans faire cette vidéo, sans partager ça avec vous. Je ne pouvais pas. Bon, là-bas devant, il y a beaucoup de bruit. Et là, il y a beaucoup d'employés. Normal, avec toutes ces commandes-là. Normal qu'il y ait beaucoup d'employés. Donc voilà, là-bas c'est dehors. Je ne vais pas arriver dehors maintenant. Donc je voulais juste vous montrer comment ça travaille par ici. Plusieurs niveaux. C'est toute une usine, quoi. Ce que vous voyez là, ce sont des commandes des gens. Ce que vous voyez là, vous voyez, il y a les numéros dessus. Donc c'est sûrement la commande d'une même personne, tout ça. Tout ce que vous voyez là. Donc voilà, les amis, là-bas, on a les plateaux. Plus loin là-bas, attendez, j'agrandis un peu là. Voilà, vous voyez, plus loin là-bas, il y a les plateaux. Les plateaux des mammites, quoi. Ok. Bon, on retourne à l'intérieur, les amis. Ce que je voulais vous montrer, la vidéo sera longue. Je pense que je vais la faire en deux, comme d'habitude. Ok, les amis, je pense qu'on va s'arrêter là. Et la vidéo sera, je sais qu'elle sera longue. Et peut-être on va la faire en deux. Voilà, je vous disais qu'il y a des plateaux en inox et des plateaux en porcelaine. Voici des plateaux en porcelaine ici. Donc, ça, c'est bien lourd. La cliente qui avait pris 150 marmites. Il y avait des marmites qui avaient ces plateaux-ci. Il y avait des marmites qui avaient ceci. Donc, on avait pris les deux. Soit ça. Ça c'est joli, mais c'est lourd, c'est vraiment vraiment lourd, mais c'est très joli. Donc ceux qui me découvrent, qui passent par là pour la première fois, je suis Madeline, je suis intermédiaire, désolé pour les bruits, hein. C'est le boss qui bavarde avec son collègue. Je suis Madeline, je suis intermédiaire entre les fournisseurs en Chine et les clients en dehors de la Chine. Donc si vous cherchez des gens pour vous faciliter les achats en Chine, je suis là. Je fais aussi le contrôle de la qualité des marchandises, c'est-à-dire vous pouvez acheter vos marchandises chez des fournisseurs chinois et vous avez besoin de quelqu'un pour contrôler la qualité et les quantités également et parfois aussi faire acheminer le colis, vos colis chez les transitaires. Quoi. Ça fait partie de mon travail, je fais encore dans quoi là, je fais dans beaucoup de choses. Si vous voulez savoir dans quoi d'autre est-ce que je fais, vous allez m'écrire sur le WhatsApp, je vais mettre ce n'est là. Et puis on va travailler ensemble. Je suis également propriétaire d'une boutique en Fundi, au Fundi Mall. À Yaoundé. Là-bas, on vend des mèches, tout ce qui concerne la beauté. Mèches, produits de beauté, produits cosmétiques, les hommes, les femmes, les enfants, tout. Donc, voilà. Si ceux qui sont intéressés par des business en Chine, vous allez me contacter, puis on va en parler, on va travailler ensemble. Et ceux qui veulent acheter sur place au Cameroun, vous allez également me contacter, vous pouvez également me contacter, et je vais vous diriger vers la boutique. Ok, je vous souhaite de faire de bonnes affaires, les amis. Bye.